donc j'ai jamais l'abstil, je sais vraiment pas le jouer le perso. Mais je l'ai pas là non plus hein. Genre tu sais faire les combos ouais. Faire, Ah ouais. Bah une fois qu'on t'explique qu'au milieu de ton combo t'appuies sur B, voilà. J'ai l'habitude d'appuyer sur B sur mes combos à un moment. Enfin neutral B. Bon, disons les termes, est-ce que tu vois un monde où il y a enfin le upset Oxygamundo? Non. Tu n'es pas convaincu? Non. Ok, effectivement. Bon, c'est vrai que ça fait après, même si, un peu bon, mon et moi, s'est échauffé avant la week-end, on était en mode fatigué un peu. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a eu des gros tournois ces derniers temps, Ouais, un peu. Là, le Wanted aussi, c'était pas le truc le plus reposant. Ouais. Et c'est Oxy qui a fait la meilleure run en plus. Ah ouais? Ouais, des gens qui viennent de Bordeaux. Ah, c'est vrai que Momon, j'ai pas entendu sa run. Il a pas passé le... Il a pas passé le top 32. Ah ouais? Il a perdu en winner contre un Duck Hunt qui s'appelle Lapin. Oh, ça dit quelque chose. Et en loser contre Nocta, qui joue Cloud. Ouais, je le connais, il est tourné. En fait, c'était au plus grand bonheur de Oxy parce que le lendemain, Oxy avait le gagnant de Nocta à Momon. Ah ouais, oh putain, ouais, ça m'a fait chier de les rencontrer. Ouais. Ah ok, bah du coup, ouais, j'imagine que. C'est un peu triste ce genre de moment où t'es en mode let's go, mais c'est quand même un mail qui tombe au combat, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, allez, attends, mais. Je crois qu'il y aura même plus le tilt après le Solar Spot Opère, genre. Ouais, il était giga fatigué au moment où il a. Bon, bref. Ah, ça arrive, hein, c'est super. Finalement. Oh, enfin, j'adore Curse des gens. Bah, franchement, là, Oxyga, ouais, pour l'instant, ça sort plutôt pas mal. Ouais. Après, les phases de moment, on les connaît, ça peut aller très très vite. Ah bon? Bah, je crois. C'est pas ce qu'ils disent, le caster d'habitude. Ouais, je le connais pas. Hein. Je fais n'importe quoi et ça m'énerve à chaque fois. Bakera. Normal. Après, 150. Sweet spot en vrai. Fox. Il y a giga trop les moments. Ouais, un peu. Bah, ça arrive, hein. C'est, encore une fois, je vais pas le blâmer pour des super. Ça arrive. Dun Smash. Toi, t'as fait quoi au Wanted? 25, t'as pas gentil, genre. En winner, Azrael, 3-2. Azrael, c'est quoi? C'est le Cloud qui a fait tout de suite. Et en loser, Susu. Parce que j'adore les événements tournent au jour. Ouais, j'étais pas dedans. T'es pas festif. Hein? T'es festif, toi? Ouais, mais même pas, hein. Ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait été le cas. Hein. Là, c'était pas Steve en particulier, je déteste les jeux d'événements de jours. Ouais. C'est tout. Je peux comprendre. C'est vrai que ça demande une certaine endurance. Et puis c'est trop dur d'être aussi bon les deux jours. Ouais. Un upset est si vite arrivé. 75-49. C'est bien rattrapé, Momo. Ouais, j'ai pas vu quand est-ce qu'il a rattrapé, mais il a rattrapé. Après, c'est Fox. Hein. Dun Smash 2 frames. Ouais, c'est ça. Ça oui, ça, il a pris la stock, mais il avait quand même des pourcents de retard quand même. Là, il a une belle avance. Ouais. Enfin, une belle avance. Wow. Pour ce genre de combo, mais bon pour Snake. Y'a pas un monde à 74 où dash up tilt ça tué? Non, à 74 non. Là oui. Ah là clairement ouais. Et ça aussi, ça tue, mais Dommage. Mais ouais, à partir de... En vrai, sans rage, je pense que 90, ça peut tuer. Ouais. Franchement, mais même avec de la rage, 80-75, hein. Franchement, moi je pense que les 75, ils se jouent. Sur une plateforme, sûr. Au oui, sol, mais sur plateforme tu gagnes 15% genre. Ah je sais pas, je pense que le sol même gagne moins. C'est en force, ça prend tellement comme il explose de rien le perso. Ouais, après au moment on sait comment le DI. C'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'en théorie il est censé les DI correctement. J'espère qu'en 67 il a appris à DI le petit de Snake. Bah après t'as beau le savoir en théorie, des fois dans le feu de l'action c'était comme ça, tu voulais cross-up le mec, je sais pas quoi, bam tu manges un ouais, petit, t'as pas le temps. Ouais, de l'action, je sais pas. Puis Oxyga, enfin ou Snake de manière générale, il est assez fort pour créer du feu de l'action, tu vois. Ouais. T'as des grenades partout, t'en vois, qu'est-ce qui se passe? Non ouais, mais Momon se fait difficilement surprendre par ça en fait. Enfin, il a bon temps de réaction Momon. Ouais. C'est un de ses meilleurs, c'est un de ses points forts. C'est pour ça que c'est assez bizarre qu'il ait Luigi en deuxième. C'est pas le truc qui demande le plus de temps de réaction, tu vois. Normalement il est censé donner trop au dé à chaque fois de manière cool et pourtant il ne le fait pas. Alors c'est faux. Moi les mêmes Luigi me soutiennent tous qu'ils peuvent le faire en réaction. Ah mais là, non. Vraiment pas hein. À moins qu'il ait le trait bleu comme pour Kazuya, c'est impossible. Ah ouais. Exactement Beast. C'est bien Mérignac, l'école EGS, se situe les EGVS. C'est assez cohérent finalement. C'est plutôt pas mal, hein. On est innovant pour les noms. C'est vrai, j'en avais avec Fragile, je pense. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que t'as une Airdash frame 4 contre Fox, une option frame 1, mais tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu fais quoi? Bah moi, c'est ce qui me tue, ça me fait pareil avec le counter d'Arsène, c'est. Ou genre, je counter un. Ou même, enfin, le counter pas d'Arsène, le counter de base, tu vois, le reverse guard. Ouais. Ou genre, tu counter le EPR. Mais ça a tellement pas de lag qu'il repère tout derrière. Oh, le backer. Le backer, il a tué à combien? 130.
Ah ouais. Il a explosé là. Ouais. Une fois c'est fort, ça explose un peu de. Ouais, mais les coups de Snake sont assez durs à placer parce qu'ils sont vraiment très tôt, très vite et après très vite plus actifs. Mais... Et ouais, combo grenade, c'est là que tu vois qu'il est. Il est pas inconnu le match-up. C'est toujours rigolo parce que les combos grenades sont toujours plus impressionnants quand ils sont faits sur le Snake. Pas oui. Quand c'est Snake qui les fait. Parce que je pense que les gens ils ont un côté un peu satisfaction où ils s'en vont, tiens, c'est pour la dernière fois que tu m'as tué à 80. Il y a un peu de ça. Oh, le nerf Paris, du tout rien. FT, ton en dehors. Peut-être, la Nikita. Voilà, normalement, il est mort. Il vient pas, hein, ouais. Ouais. On a un peu trop de drifting. Ah, il est pas content, même. Q, vite fait. Ça dépend des pourcents, mais normalement, ça marche pas. Il faut vraiment dash comme il faut pour suivre une die out. Oh, c'est dommage, il avait le setup up smash. Ouais. Et il a pas trust, il a pas. C'est quelque chose que je comprends pas chez Oxy. À chaque fois qu'il pose un sticky, il fait genre une attaque derrière ou quoi, alors que tu pourrais tellement garder la pression sur le shield en laissant un sticky. Parce que le mec il va être forcé de shield ou de te foncer dessus. Et ben toi, si c'est un sticky, c'est pas grave, tu sais que c'est toi qui peux le déclencher et que ça peut tomber au pif. Je me dis qu'il y a un côté où, comme il joue beaucoup contre Momon qui connaît ça et qui du coup se laisse pas conditionner par la peur et lui bourre dessus quand il a ses cartes, je me dis qu'il y a un monde où en fait où du coup il a désappris à faire ça. Genre. Nerf up smash à 100. Le confirme qui est trouvé. Toujours les mêmes confirmes. A chaque fois, c'est pas loin, hein. Tu regardes les pourcents. Là, c'était encore un. J'ai rien dit, moi. C'était encore un up tilt percentage. Hein. Ouais, c'est clair. Neutral air au smash, ça fait trop ça.